Je m'appelle Steve Imbert, j'ai 47 ans, je suis agriculteur, cultivateur en céréales. Je suis dans la Drôme, au pied du Vercors, au pied des Monts du Matin. J'ai fait un diplôme paysagiste, CAP, BEP et BTA, paysagiste. Après, je me suis installé en agriculteur un peu plus tard. Puis, depuis que je suis grand homme trois pommes, j'étais dans les champs et j'ai toujours fait ça, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'était qu'une continuité de faire ça. C'était pas une obligation, au contraire. Mes parents ne voulaient pas du tout que je fasse agriculteur. Et j'ai fait ça par plaisir, en fait, et c'est par passion. C'est un défi quotidien de pouvoir créer quelque chose, de petites graines arriver à faire pousser des champs et des ça, et puis le transformer, pouvoir nourrir des personnes et faire découvrir des saveurs différentes et faire découvrir mon monde. Il faut trouver des façons plus faciles, plus simples de faire l'agriculture que si tu es au travail comme je fais moi. Quand j'ai vu l'océan à 40 ans, je me suis dit, ah, quand même, c'est un métier qui est un peu compliqué quand même. Je me lève à 4 h du matin, je me couche à 23 h. Donc des fois j'arrive à faire 17 heures dans le tracteur, des fois quand je reviens c'est pour faire le plein du tracteur et une moyenne de 12 à 12 heures par jour à peu près. Arrêter d'être dénigré par les autres et être payé au prix juste. Simplement ça, je pense que déjà ça irait déjà pas mal déjà. Puis les gens qui ne croient pas du tout en l'agriculture française, qui les achètent au moins cher et ils regardent même pas d'où ça vient. Faire montrer un petit peu que des gens ils se tuent au travail pour faire du travail de qualité et de bon goût. Quoi. Faites-le découvrir, le circuit court, c'est ce qui sauvera l'agriculture française.